Yo tout le monde, c'est Azarat, on se retrouve pour la suite de Tube Tycoon. Donc, j'ai ajouté vos pseudos, j'en ai ajouté quasiment une vingtaine, j'ai plus le compte exact. J'espère que ça va fonctionner, je ne garantis pas la chose. On se retrouve sur la même sauvegarde, par contre j'avais déjà fait... entre temps, j'ai joué un peu en off, sans enregistrer, pour essayer de comprendre un peu mieux le jeu, les mécaniques, tout ça. Tout n'est pas encore implémenté. Voilà, le jeu est encore en développement, donc il y a quelques trucs qu'on ne verra pas. C'est dommage. Mais bon, je pense qu'il y aura des mises à jour assez fréquentes. En tout cas, voilà, nous sommes de retour. Eh ben, on va continuer, mais je pense, ayant fait une partie tranquillou de mon côté, je dis que je suis dans la merde. Et que, à mon avis, cette partie va être très courte. Voilà. Bon, on va quand même continuer, hein. Après tout, voilà. Alors, la barre verte, c'est l'énergie. Et la barre jaune, c'est l'expérience. Et chaque fois que la barre jaune arrive au bout, je gagne un point de compétence. Et elle augmente quand je fais des vidéos, quand je monte, etc. Ça augmente un petit peu. Vous allez voir si vous ne l'aviez pas vu. Alors, ouais, j'avais fait gameplay. Voilà. Booming Man, c'est parti. Faut spammer les vidéos, on peut en faire trois en même temps, donc faut spammer, voilà. Alors, ouais, personnellement je le sens pas trop. Un commentaire, $1. Commentaire, jeu vidéo gaming for fun, pouce rouge, merci Ludo. Pour ton pouce rouge, c'est génial. Allez, on va continuer. On peut en faire 4 par jour. Hein. Bon, l'intérêt descend, mais bon. Je sais pas si l'intérêt est vraiment représentatif du nombre de vues qu'on va avoir. Parce que des fois, il n'y a pas d'intérêt et on a 3 fois plus de vues que sur une autre. Ouais, non, si, là, carrément. Ouais. Ouais, ouais. Je crois que ça va être banqueroute. Ça va être la partie de la banqueroute. Voilà, donc... allez, c'est parti, on va dodo. Loyer, 8, j'avais 7$, là, je suis à 0. Je suis à 0$. Alors, carrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 points. Je peux faire du jeu solo. Non, 3 points requis, tête de chiotte. Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Je réfléchis, attention, je réfléchis. 3 points requis, ben, je vais attendre le troisième point. Et j'ai remarqué aussi que on n'est pas obligé d'acheter un jeu au début parce qu'il y a tout simplement un free to play dans les jeux. Il y a un free to play. Le tout premier, il est gratuit. Donc là j'ai dépensé toute ma thune pour rien. Malheureusement. Donc je vais faire le dernier épisode. Enregistré. Et après, je sortirai 3 nouveaux épisodes sur le free-to-play en question. Pour que ça fasse un peu de changement, quoi, c'est tout. Ah voilà, le dernier épisode, il y a quand même plus de vues, donc... Il y a toujours plus de vues au dernier épisode, de toute façon. En général. Voilà, donc 1$, un commentaire, attention. Le vide dans le noir qui nous dit « Opa Gangnam Style », merci. Donc voilà, premier pseudo que j'ai rajouté à la liste. Qui est affiché, donc voilà, le vide dans le noir, tu es là. Donc apparemment ça fonctionne, donc c'est cool. Et je pense qu'on peut en mettre une quantité quasiment infinie. En fait, on a la liste de noms, on a un petit chiffre à la première ligne qui correspond, je crois, au nombre de pseudos. Puis de... Mais bon, faut recompter à chaque fois. Quoi. À part ça, ça a l'air de fonctionner, donc c'est cool là, c'est parti. Allez, commencer une nouvelle série, voilà, c'est ça. Oui, j'ai pas cette thune. Voilà, c'est Sapeur qui est gratuit, près du jeu 0. On va le prendre, on va faire une série. Et on enchaîne, hein, on enchaîne. Il nous faut des vues. Allez, s'il te plaît. Je vais finir à la rue avec ces conneries. Ah. Ah ouais, bah le premier épisode marche toujours. Hein. À 2$. Non, pas de $2. Ah si, de $2.
Ouais. Pas de commentaires. Pour 225 vues, pas de commentaires, c'est étrange. Et on va se coucher. Fin du jour 8. Je suis à moins 6 dollars. Bah voilà quoi. On va faire un gameplay, un vlog à la mort moelle-neu à propos de la... de délicieux moquette. Délicieux moquette. Et un gameplay. Voilà, c'est sympa. On varie un peu. Parce que c'est toujours bon de varier. Alors. Ah, le vlog, non. C'est pas trop ça. Ah, le let's play, oui. Alors là, l'épisode 4. Ah, plus 6 abonnés. Recommandation. Plus 61 abonnés. Recommandation. Merci, Blogoon. Et chérie, attends une seconde. Voilà. Alors, le jeu te propose de faire un don au développeur à peu près tous les 3 jours. Voilà, on va dire plus tard. Mais point positif, c'est que si tu donnes, t'as une chance d'apparaître dans le jeu. Donc ça, je trouve que c'est un geste plutôt sympa. De la part des... Ah, 3 commentaires, attention. Top 10 qui me dit, pourquoi tu es encore sur YouTube pour te faire chier, Top 10. Harry Hancock, c'est une blague. Deuxième pseudo à apparaître dans la vidéo. Harry Hancock qui est là, qui demande si cette vidéo est une blague. Alors la moquette, oui, ce n'est pas forcément délicieux. Donc... désolé pour toi si t'as goûté la moquette de ta chambre en voyant cette vidéo. One Planet Game, suscite-toi punk. Merci One Planet Game. Est-ce que c'est un pseudo que j'ai rajouté ça? Je crois. Hein. J'ai pas tous les pseudos en tête. Parce que j'en ai rajouté pas mal. Mais je crois que oui. Il nous reste un peu d'énergie. On va faire une vidéo. Une vidéo. Sapeur. Ouais, allez, sapeur. Là, c'est le buzz. Allez, rembourse le loyer, s'il te plaît. Non. Ah, peut-être un dollar, ouais. Un commentaire, déjà. Ouais, un dollar. One dollar. En fait, c'est un dollar toutes les 100 vues. Ce qui n'est pas du tout comme ça dans la réalité. Y penser, tu es le prochain niveau dans la... Non, ça, c'est dégueulasse, par contre. Joueur du Grenier supprime cette chaîne, merci Joueur du Grenier. Non franchement, y penser, je te pense... Enfin, je le pensais pas comme ça, Bruce. Franchement. Il est choquant. Allez, on va se coucher. Ah non, mais là c'est la merde par contre. Hein. Moins 13$, c'est vraiment la merde. Hein. Mais est-ce que au bout d'un certain temps en négatif, est-ce que ça fait chier? Ou je sais pas. Est-ce que ça nous met game over ou... Ou est-ce qu'on peut se rattraper plus tard, ou je sais pas. Aucune idée, parce que là, c'est la première fois que je suis dans le caca. Bon, on va continuer les gameplays de sapeur. Il faut bourrer. On n'abandonne pas. Alors, j'espère que le fond bleu sera pas trop pété comme la dernière fois. Ah! Non. Ah non. Non. Un commentaire. Un dollar. Un autre dollar. Et 2 commentaires. Tortipousman, ce gars est stupide. Merci, Tortipousman. Zalioso qui nous dit cette vidéo est brouillonne. Les commentaires. Spoontoff, pourquoi tu restes sur YouTube? Bah voilà. Bionic, là, s'il te plaît, calme-toi et fais un meilleur épisode la prochaine fois. Ah! Bionic, il est moins méchant, voilà. En tout cas, bon, on commence à avoir du pseudo que j'ai rajouté, donc ça, c'est cool. On commence à voir des gens, à reconnaître des gens. Les abonnés, ils sont présents. Donc, on continue. Il me reste un d'énergie. Bon, on va faire un petit vlog. On va faire un petit vlog, histoire de râler pour dire... Ouais, ceux qui mettent des fausses rouges, ceux qui... Regardez, je vais lire les commentaires, ouais, arrête YouTube, mais toi, arrête... Enfin, voilà, on va répondre à la rage. Répondons à la rage par la rage, en parlant d'abo... De quoi? Apotropec Caméra. Apotropec. 4 commentaires, 1 dollar, 153 vues, et on a eu une recommandation, hein, c'est ça? Oui, merci encore
Blogodinka de nous recommander. Alors là, attention, Bob Lennon nous dit cette vidéo est brouillonne. C'est un classique. Killer qui nous dit ce que tu dis dans ta vidéo n'a aucun sens. Sûrement. Il y a de fortes chances. Hein. Olivarius Claudius, bien 2 sur 20. Olivarius, tu es officiellement un rageux. Et Baba qui nous dit c'est la plus grande perte de temps ever. Voilà. Hein. Oh là là. Et je me demande si je peux rajouter des commentaires. Ça pourrait être sympa, ça. Je me demande si je peux remettre d'autres commentaires. Parce que y a les commentaires dans le fichier commentaires, c'est divisé en 3. Et il y a 3 sections. T'as une section où c'est des commentaires un peu cons, genre first, Han Solo meurt à la fin, etc. T'en as une pour les... Ouais, cette vidéo est géniale, cette chaîne est super, machin. Et t'en as une pour vraiment les commentaires méchants. Donc je me demande si je peux en rajouter. Ça peut être vraiment cool. Ça pourrait être marrant. Je suis à moins 20 dollars. C'est le caca. On continue. Alors, on bourre les gameplays ou quoi? Je pense que, ouais, à force de bourrer... À intérêt, ouais, en dessous de la moitié, je sais pas. On va en faire deux comme ça, on va faire un petit vlog. L'intérêt est grand pour le vlog, mais comme c'est pas avec ça que j'ai commencé, j'ai très peu de vues sur le vlog. C'est ce que j'ai remarqué, quand on commence dans un domaine jeu vidéo ou vlog, et bien souvent, on fera, par exemple, en commençant par les vlogs, on fera toujours plus de vues par les vlogs. J'ai l'impression qu'il y a une gestion des abonnés qui se sont abonnés pour tel ou tel concept de vidéo. Donc, il y a quand même quelque chose derrière. Alors, aucun dollar... Ah si, 2 dollars ici, c'est très bien. Un commentaire. Bibix qui nous dit, ouais, ça a été posté le jour de mon anniversaire. Bon anniversaire, Bibix. Mastercraft qui nous dit, tu es une blague. Pourquoi pas. Si je fais rire les gens, si les gens prennent du bon temps... En regardant cette vidéo, c'est que je suis peut-être une blague. Et j'en suis heureux. Voilà. Pas de commentaire ici. Donc. Allez, il nous reste un d'énergie, c'est parti, on y va, on fait un enregistrement de sapeur. Ah oui. Ah bah allez, hein, là, je vais normalement, je vais gagner un nouveau point de compétence. Ah, j'ai pas regardé. Ça se trouve, j'ai 3 points. Mais oui, j'ai 3 points. Si je prends jeu solo. Allez, je prends jeu solo. À le jour suivant. Attention. Mais j'espère qu'il y a un jeu solo gratuit. Free to play, ce serait cool. Parce que je suis pauvre. Je suis très très pauvre. Je suis plus que pauvre. Je suis à la masse. Alors, Link's Ascension qui me dit first. Je suis à moins 27. Un nouveau jour t'attend, clique ailleurs, d'accord. Donc, jeu solo, on va aller voir ça tout de suite. Alors, gameplay. Est-ce qu'on fait le... Ouais, on va faire le dernier épisode de Sapeur. Si vraiment... je peux pas acheter de jeu solo. Eh ben, on va tout simplement reprendre une série dessus. On va prétexter qu'il y a une mise à jour ou je sais pas quoi. Et puis voilà, let's play numéro 2 de Sapeur. Ouais. on va déjà voir ce qui se passe. Alors, ah là, c'est pas la joie. Les gens n'aura le cul. Ou alors les gens ne sont pas contents que ça s'arrête. Mais s'il y a tellement peu de vues, je crois que c'est les gens qui en ont marre. Celui-ci dans ta vidéo n'a aucun sens. Merci Bibix. Oui. Gameplay. Voilà, je cherchais. Alors, jeu solo. Ils sont tous payants. Manque d'argent, prix du jeu zéro. Ne serait-il pas... Un petit foutage de gueule. Bah oui, Tube Tycoon est gratuit. Pourquoi je ne peux pas le prendre? Prix du jeu, zéro. Parce que je suis en négatif. Genre, t'es en négatif, tu ne peux pas prendre de free to play. C'est étrange quand même. Bah c'est tout, on va faire la technique de... Nouvelle mise à jour sur Sapeur. C'est génial! Non, attends, on va... Non, je peux quitter. Merde. Retour. Voilà. Non, je vais plutôt prendre... refaire une série sur Banana Ninja, revenir aux sources. Voilà. Retour aux sources de Banana Ninja. Les gens vont peut-être être contents de revoir ce jeu.
Allez, on farm banana. On farm. C'est bizarre ce qui vient de se passer. Donc un dollar, un commentaire. Deux dollars de commentaires. Une recommandation de monsieur Bionicle. Merci Bionicle. Donc 5 dollars en tout, c'est pas mal. Deux commentaires, voyons voir. Babalrom qui nous dit un solo mort à la fin. Zaliozo qui nous dit pourquoi, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Donc là pour l'instant c'est tout le temps les mêmes commentaires qui reviennent. Mais normalement après ça change un peu en fonction du nombre d'abonnés, tout ça. Ah, poste ce commentaire sur 10 autres vidéos ou non rien. Le pire c'est que c'est le genre de commentaire que je pourrais faire quoi. Donc là j'ai un peu honte de moi, tu vois. On va faire comme si on n'a rien vu. Yanalin, c'est toujours mieux que le beurre dans mon frigo. Que le beurre dans mon frigo. Merci Yann. Alors ça dépend comment tu considères, comment tu respectes le beurre dans ton frigo. Qu'est-ce que le beurre dans le frigo pour toi, ça dépend. Mais en tout cas, je prends ça pour un compliment, donc merci beaucoup. Voilà. On a plus d'énergie, on va se coucher. On est à moins 34, c'est la merde. Gameplay, Banana Ninja, on farm. Allez. Allez. Allez, on y croit. Cette fois, on y croit. Montage. Ah ouais, l'expérience, ça monte vite quand même, hein, j'ai l'impression. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. On commence à percer. Il y a la hype autour du jeu. Oh moi ça... Non mais regardez-le lui avec sa tête là. C'est quoi ça? Robsnot. Alors lui c'est vraiment un youtubeur. Alors déjà il m'a... Il n'aime pas ma vidéo. J'ai perdu 114 abonnés. Donc vous allez le chercher sur YouTube. Non, allez, on va pas faire ça. Je pense qu'il reçoit déjà assez de messages. Bon. Alors, 3$, 3 commentaires. 3$, 3 commentaires. 2$, 3 commentaires. Alors, celui-là, j'ai déjà lu, hein. Lui, voilà, c'est Yana, là. Alors, là, il y a du com. BBX, toujours mieux que Jar Jar Binks. C'est pas faux. Sifano qui nous dit, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il y a rapprochement avec BBX. C'est pas mal. Et Bionic, je ne trouve rien d'intéressant. On l'envoie bien se faire. Voilà. Si ça t'intéresse pas, casse-toi. One Planet Game qui nous dit hier, tu disais demain, alors just do it. Antoine Daniel, la qualité de cette vidéo est terrible. Kick0402, donc ça c'est un des noms que j'ai rajouté. J'adore tes vidéos, fais-en plus, s'il te plaît. Le premier nom qui est sympa, qui a aucun sous-entendu, sarcastique ou méchant, c'est Kick0402. Donc merci à toi. Tu as en plus 13 likes sur ton commentaire, donc ça veut dire que les gens approuvent ce que tu dis. Donc les gens commencent à aimer ce que je fais. Donc on va bourrer. Alors, vais-je rembourser mes dettes un jour? Je ne sais pas. En tout cas, on croise les doigts. Là par contre c'est pourri, j'ai l'impression. Ouais. L'intérêt s'en est allé là. Ok, on va se coucher. Je suis à moins 38$. Il y a 3 commentaires, je les ai pas lus. Attends, AmixM qui dit yes you can. Killer Surprise qui nous dit arrête d'enregistrer ça et... C'est pas moi qui fais le rapprochement. Non. Je n'y suis pour rien. Le rapprochement... Kiku Minecraft. Je n'y suis pour rien, franchement. XX Dark Sasuke. Du 63XX nous dit j'aime Minecraft. Ce n'est pas moi qui ai programmé ce commentaire. Ce pseudo est un pseudo que j'ai rajouté parmi d'autres. Les commentaires sont aléatoires. Je n'y peux rien. Je ne stigmatise pas la communauté, la population d'un jeu vidéo.
Voilà. On va farmer. Alors là, oh non, l'intérêt est dégueulasse par contre. Alors est-ce que on ferait pas le dernier épisode? Dernier épisode. Et on va enchaîner sur. Comment ça s'appelle? Booming Man. Oui, si, c'était ça, Booming Man. On va refaire du Booming Man. Ah voilà, même le dernier épisode, les gens regardent pas des masses. Hein. Mais bon, le point positif avec ce jeu, c'est que. Voilà, là, il y a 3 fois moins d'abonnés que sur ma chaîne réelle. Mais ils font 4 fois plus de vues que moi. Donc c'est. Voilà. Ça te montre que YouTube est quelque chose en fait de positif. Toujours. Enfin, sauf les commentaires, bien sûr. Toxemen qui dit Yasukan, ils sont placés le mot. Il n'y a aucune raison de justifier l'existence de cette vidéo, merci Zadiozo. Gameplay, nouvelle série, attention Booming Man, c'est le jeu qui coûte cher. Ça sent le triple A. Enfin non, 36$, bon acheter sur Instant Gaming alors. Et moi je dis, il y a de l'intérêt là. Il faut puiser jusqu'au fond. Ah! Ah oui! Ah, c'est pas génial encore, hein. Mais ça permet quand même de faire un petit roulement de jeu comme ça. J'ai perdu 137 abonnés, c'est génial. Alors voilà, là j'ai sorti 3 vidéos, j'ai une centaine d'abonnés en moins sur ce que j'avais avant. C'est. Je manque d'énergie. Quoi? J'en ai fait que 3, non? Ah non! Il y a pas de commentaires, ok. Je suis à moins 45. Alors je pense qu'un jour on va quand même se rattraper. C'est juste qu'on peut pas acheter de jeu. C'est con. J'ai combien de points de carrière? J'en ai 2. Alors, ici il n'y a pas. Minecraft multi-home. Non valide. Alors apparemment on m'a dit que c'est parce qu'il fallait acheter Minecraft dans les jeux, mais je crois qu'il n'y est pas. Ou alors faut aller en ville. Oh je sais plus. Je sais plus. Carrière. Donc, est-ce que j'ai pas un autre point? C'est quoi ça? Vlog journalier. Non, c'est la merde les vlogs. Enregistre les tags. Non. Ça rapporte beaucoup de thunes. En plus, t'as pas à acheter de jeu. C'est dingue de parler comme ça. Ça. Alors, ces vidéos-là, ça rapporte du fric. Ça n'en rapporte pas, alors t'en fais pas. Non. Une fois que j'aurai débloqué 7 compétences, je pourrai aller chercher des potions en ville qui augmenteront le pourcentage d'abonnés et tout le bordel. Enfin bref, il y a des trucs assez foufous qu'on pourra avoir dans d'autres épisodes. Là pour l'instant, voilà, hein, c'est. On galère, mais avec nos abonnés. Donc on va farmer. Allez, Booming Man. Et je pense que c'est la dernière série de vidéos qu'on va faire. Après, on va dodo et on va s'arrêter là. On est à 23 minutes de vidéo. C'est plutôt pas mal. Ah! Oh! Oh, l'épisode 12. Il s'est passé un truc dans l'épisode 12. On a fait plus de 400 vues, donc 4$. 2$ ici, 2$ là. 5 commentaires. Alors Sifano qui nous dit magnifique, le show parfait, bon travail, j'aime. Voilà, là ça commence à venir. Ludo qui nous dit je te donne un conseil, arrête de faire des vidéos. C'est Ludo. Voilà. Bibix qui dit Iron Cock qui dit arrête de bouffer quand tu parles. Ça c'est pas faux. Voilà, je mange pas. Mais juste avant, je mangeais, oui. Poisson fécond, 2 sur 10, poisson fécond, voilà. Bon, ah oui, il n'y a pas que des chaînes YouTube que je suis, il y a aussi des YouTubeurs que j'aime pas. Je ne donnerai pas de nom, mais là, vous venez d'avoir un gros indice, voilà. Que je n'aime pas pour des raisons qui regardent... Enfin, bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On va pas balancer les... Hein. Bref, voilà, il y a aussi des YouTubeurs que j'aime un peu moins. Pas forcément pour une question de vidéo faite ou quoi, mais pour une question de la personne, voilà. Il reste une vidéo à faire, donc
tirons sur le filon jusqu'à la fin. Allez. Ouais, ça reste... Ouais, si, c'est pas mal. Plus de 200 vues, c'est pas mal. Plus de 200 vues, hein, ouais. Donc ça fait 2$. 2$, pas de commentaires, malheureusement. On va aller se coucher. Alors oui, je vais vous montrer vite fait la ville. Donc la ville, on a été faire un petit tour. Donc voilà, une fois qu'on aura débloqué la compétence de la fraternité, l'œil barré, avec 50$, on pourra choisir une potion. Alors t'as plusieurs potions. T'en as une pour le talent, une pour le... la productivité, etc. Et t'as après des sous-potions. En fonction des types de potions que t'as pris, ça va te donner un effet particulier. Du genre, publier tes vidéos plus vite, gagner plus d'abonnés par vidéo, etc. Donc c'est des petites compétences et ça coûte de plus en plus cher à chaque fois. Donc voilà. En tout cas, bah c'est tout, on va aller dodo. Voyez-moi 12, ouais, c'est de la merde, hein. C'est bien la merde comme il faut, donc ça a sauvegardé. Donc voilà, c'était le deuxième épisode de Tube Tycoon. Tube Tycoon, voilà, donc c'était le deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu, moi perso j'adore le jeu, par contre il a l'air... des fois ça a l'air compliqué de monter, surtout quand t'es dans la dèche, tu peux pas acheter de jeu et tout. Mais je pense qu'à force, que les abonnés arriveront, etc., on va pouvoir faire péter les records. Et avoir un nombre de dollars qui va dépasser le... Enfin bref, vous m'avez compris. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaît, parce que moi ça me plaît. C'est qui m'avait dit ? Il y en avait qui m'avait dit... C'était pas Spirouli ? En commentaire, qui m'avait dit que j'avais pas l'air motivé, ou que... Si t'as pas envie de faire de vidéos dessus, n'en fais pas, t'inquiète pas, c'est pas grave. Pour Spirouli et pour les autres qui penseraient aussi la même chose, vous inquiétez pas, le jeu je l'aime, on me l'a proposé, si j'ai accepté de faire des vidéos dessus, c'est parce que je l'aime bien justement. Je le trouve fun et essayer de comparer ce jeu à la vie réelle, c'est... voilà, je ris intérieurement, personnellement. Mais bon, il y en a aussi qui m'ont demandé si ce jeu reflétait aussi la réalité, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Quand t'as plus d'abonnés que de vues... sur ta première vidéo, déjà c'est très bizarre. Et 1$ par 100 vues, non. Non, j'aurais déjà... Non, vous imaginez que... Je vais être franc avec vous, je gagne 3$ par mois. Je l'avais déjà dit en live, je crois. 3$, c'est pas des euros. Par mois. Et par mois, je fais entre 5000 et 7000 vues, à peu près. Et je gagne 3$. Donc là, on est quand même très très loin de la réalité. Et bien sûr, le prix du loyer n'est pas le même. Il coûte pas 7$ le loyer. Ah, pas du tout. Donc voilà, c'est un jeu qui s'éloigne beaucoup de la réalité. Ça caricature un peu le mythe du youtubeur milliardaire qui se met bien avec ses vues et tout. Mais croyez-moi, ça ne reflète pas du tout vraiment YouTube. En tout cas, je pense que... le jeu pourrait être génial et super fun. Il y a juste 2-3 petits trucs à rajouter, comme par exemple les likes et les dislikes. Ça pourrait être sympa de voir ça. La petite barre de like et tout près de la vidéo. Il y a plein de trucs en fait à mettre. Hein. Faire une espèce carrément de vrai YouTube. Une interface comme si c'était vraiment YouTube aussi, ça pourrait être cool. Enfin, en tout cas, le concept est bien. C'est un petit jeu de gestion, quoi. Un petit tycoon, tout simplement. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires, si vous voulez que je rajoute votre pseudo, je le fais, je le mettrai, jusqu'à temps que le jeu me dise non arrête, il y en a trop. Et je pense que il y aura suffisamment de place pour tout le monde. J'essaierai aussi de rajouter des commentaires, donc n'hésitez pas à me donner vos idées de commentaires un peu cons, je les mettrai, je les rajouterai. Et voilà, donc je te souhaite une bonne soirée, bonne journée, et je te dis à la prochaine. C'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.